Aux gens. Au Forum de Montréal, il y avait les fantômes. À Boston, il semble y avoir quelque chose. On t'a vu réagir vraiment vivement. OK, vous allez là. Alors, on présente les images. C'était un petit peu plus tôt, alors que tu étais avec François Bessette. Regardez bien ce qui s'est passé. Mm-hmm. OK. Oui, c'est ce qui a fait la différence hier. Pardon. Excusez. Vraiment désolé. Il y a encore un rat qui vient de passer. Là. On a adoré ta réaction, Luc. Il y a des rats à Boston. J'ai un petit peu réagi comme une fillette. Hein? Mais là, il faut que je vous dise que... Juste avant d'aller en onde, il y a un rat qui est passé tout près. Donc, j'avais déjà la chair de poule. Bon. Okay. Une minute avant, il y en a un qui est passé près aussi. Puis là, le troisième, lui, il a comme vraiment passé entre mes jambes. J'étais en direct. J'ai réagi comme ça. Puis je comprends pas parce qu'il y avait plein de place à passer. Là. Puis il a décidé que ça, la trail, c'était là. Non, mais il allait vraiment pour toi. Oui, oui, oui. Non, il allait. Mais je vous le dis, si jamais il y a un Fort Boyard, il y a un million en jeu, là, il y a des rats. Je ne vais pas. Vous garderez le million, vous ferez d'autres choses avec. Okay, pas ben, là. Okay, en tout cas, déteste ça. On prendra ton million. On prendra ton million. Amenez-moi des crocodiles, n'importe quoi. La séquence est déjà très tendance sur les médias sociaux. Merci, Luc. On te parle plus tard.